jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec un coup de cœur qui est d'orge et de blé. C'est un jeu pour deux joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. D'orge et de blé, c'est un jeu de draft à deux niveaux. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va commencer la manche avec 5 cartes dans nos mains. Les cartes, ils peuvent être utilisées de trois façons, mais le but du jeu, ça va être surtout de réaliser ici ces productions-là, comme pour faire cette bière-là. Il va falloir dépenser trois eaux, du seigle et puis le blé, des bonnes ressources pour réussir, puis ça va nous donner les points en fin de partie. Il y a un concept de points vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux types de productions qu'on peut faire, c'est les productions de pain et avec nos boulangeries et la production de bière avec la brasserie. Et comme on utilise les deux ressources ensemble, en fait, pour avoir une production optimale, ça va être le score des deux productions le plus bas qu'on va utiliser comme notre score à nous. Donc, faut bien balancer notre production de bière et de pain pour que ça se marie ensemble. Comme je disais, sur les cartes, il y a trois façons de la jouer. Soit qu'on l'utilise pour faire la production ici, soit qu'on l'utilise pour faire la récolte qui est en haut, ou qu'on les utilise comme amélioration de nos installations qui va être ici pour avoir certains bonus, soit des décomptes de points à la fin, soit des ressources supplémentaires ou des choses comme ça. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à tour de rôle, on va jouer une carte. Fait que si par exemple, je décide de jouer cette carte-là pour avoir les houblons, on prend les houblons et on va les mettre sur notre petite grange comme ça. L'autre joueur va jouer sa carte et on va échanger nos mains comme ça. Fait qu'on fait un draft toujours jusqu'à temps que toutes les cartes sont jouées. Dans les récoltes, le concept qui est intéressant, c'est un, les ressources qui sont disponibles pour cette manche-là sont seulement ceux-là. À chaque manche, on va en rajouter des supplémentaires, mais pendant la récolte, c'est seulement ceux qui sont disponibles. L'autre affaire qui est intéressante, c'est si jamais on n'a plus d'espace d'entreposage et qu'on fait une récolte trop grande, on doit donner les ressources à notre adversaire. Fait que c'est quelque chose pour faire attention parce qu'il faut justement pas trop aider notre adversaire. Donc, c'est vraiment comme ça que ça va avancer. On fait une manche au complet. Au tour suivant, c'est qu'au lieu de faire un draft comme tel, il va y avoir un peu moins de ressources ici. Et les cartes, on va seulement jouer nos cartes qu'on a en main, mais il va y avoir trois cartes qui vont être ici pendant la manche qu'on va pouvoir utiliser pour faire comme un draft. Fait qu'au lieu de jouer une carte de notre main, on va pouvoir venir les changer pour l'utiliser. Fait que ça fait une variante. Fait que c'est comme s'il y a deux façons de jouer de manche en manche. Donc, d'orge et de blé, c'est un jeu qui est assez facile à prendre en main. Les parties, ça coule super bien. On parle d'un 30 minutes, mais il y a plein de possibilités de combinaisons. La manière qu'on améliore nos installations, la façon qu'on compte nos points. Puis ça fait vraiment des parties intéressantes. Dans la dernière partie, j'avais un 30 points en bière, mais j'avais seulement que 20 points en boulangerie. Donc, c'était mal balancé. Mais il faut bien évaluer tous les bonus de points. Puis ça, c'est très bien bon, un très bon jeu qui est d'orge et de blé. On a La planche des pirates, qui est un jeu pour 5 ans et plus. Les parties d'environ 15 minutes pour 2 à 4 joueurs. On retrouve ici un jeu de prise de risque avec une super belle présentation en trois dimensions. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on retourne la boîte à l'envers. On va acheter ces petites planches-là qui représentent les ponts d'un navire et ils sont aimantés, fait que ça tient bien. Chaque joueur va avoir son petit éléphant. Le but du jeu, ça va être c'est de ne pas tomber à l'eau. Dès qu'un joueur tombe à l'eau parce que la planche bascule, ben la partie est terminée et tous les autres joueurs sont gagnants. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, on va tourner des cartes de trésor. Fait qu'on tourne une carte et là on décide si on veut continuer ou non. Comme là c'est une carte au trésor. Fait qu'on peut continuer tant qu'on veut. Si on réussit à se rendre jusqu'à la couronne, on gagne automatiquement la partie. Mais si qu'on a deux symboles pareils, on va devoir avancer notre éléphant d'une case. Et si par exemple je décide de tourner une carte comme ça, puis là je m'essaie pour une autre carte encore, là ça commence à être dangereux. Si je décide d'arrêter maintenant, c'est que là, tous les autres joueurs vont devoir ajouter deux jetons sur leur pont. Fait qu'ils vont prendre des petits jetons ici et ils vont devoir les ajouter comme ça. Si jamais, en mettant les jetons, le pont bascule et leur éléphant tombe à l'eau, mais la partie va être terminée comme ça. Fait que là, je peux décider, là j'aurais arrêté comme ça, fait que là, le prochain joueur va avancer comme ça. Si j'avais décidé de continuer à la place, puis là, je tourne une carte et là, j'ai deux symboles pareils, mais là, dans ce cas-ci, je vais devoir avancer mon éléphant d'une case comme ça. Puis là, je le répète, dans le fond, c'est du moment que si jamais en avançant, la planche tombe, mais on est éliminé, tous les autres joueurs vont avoir gagné.
Donc, La planche des pirates, c'est un jeu de prise de risque vraiment le fun. Là. C'est super dynamique, fait que, il y a une belle présentation. Fait que pour maintenir l'attention des enfants, c'est vraiment super. Fait que c'est un très bon jeu, qui est La planche des pirates. On a aussi joué à Iki, qui est un jeu de 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est entre 60 et 90 minutes pour 14 ans et plus. Dans Iki, c'est un jeu qu'on va gérer différentes actions. On va se promener dans le marché pour faire des échanges, générer des revenus. Et aussi, on va tenir des boutiques qui vont être là, mais il faut vraiment faire attention aux possibilités d'incendie. Et pour jouer, c'est la façon que ça fonctionne. C'est qu'on va avoir chacun un petit personnage qu'on va venir placer sur le nombre d'actions de déplacement qu'on veut faire. Fait que si par exemple, moi je viens jouer ici, l'autre joueur va venir jouer ici. Ça va déterminer le nombre de déplacements qu'on peut faire et aussi l'ordre de tour du jeu. Fait que là, ce serait le joueur mauve qui joue en premier, il peut faire deux déplacements. Fait que si par exemple, le joueur mauve va faire deux déplacements comme ça, il peut faire les actions qui sont en dessous ici qu'on voit. Comme ici, il pourrait échanger 3$ pour gagner 2 ressources. Et faire les actions qui sont sur les cartes aussi. Si c'est une action d'une boutique qui appartient à un autre joueur, le joueur va monter en expérience. Fait que si par exemple ici, je pourrais gagner 2 crédits, mais notre adversaire va monter en expérience sur sa boutique. Fait qu'on va jouer comme ça à tour de rôle. On va pouvoir aller acheter des nouvelles boutiques qu'on va pouvoir placer sur le jeu à différents endroits. Il y a des coûts un peu partout comme ça. Il y a des jetons bonus qu'on peut venir gagner quand on vient se déplacer aux bons endroits. À chaque 3 manches, on va avoir justement des nouveaux bonus qu'on va venir placer sur le jeu, des nouveaux personnages qui vont se débloquer aussi. Fait que le jeu évolue super bien de manche en manche. Le petit danger aussi, c'est que à certaines phases du jeu, il va y avoir des incendies qui se déclarent. Et ça, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va tourner un petit jeton incendie. Et selon notre niveau, ce jeton-là va déterminer dans quel secteur il va y avoir un incendie. Et selon notre niveau, c'est ce qu'il va faire si on va réussir à se protéger ou non. Comme le feu, il se propage ici. Fait que si ce joueur-là n'a pas suffisamment d'énergie de feu pour se protéger, mais son commerce, il va être détruit puis on passe au suivant comme ça. Fait que c'est de quoi à bien évaluer. Il y a des bâtiments aussi qu'on peut venir acheter ici qui vont monopoliser des petits personnages qu'on pourrait mettre dans des boutiques. Sauf que ça va nous donner des gros bonus aussi en fin de partie. Fait que c'est toujours à considérer. Et à fin de chaque saison, on va avoir des décomptes de points qui vont nous amener des revenus selon notre positionnement dans notre commerce. Et aussi, quand que les jetons sont rendus jusqu'au maximum, notre personnage prend sa retraite et ça va nous donner des revenus qu'on va avoir à chaque fin de saison aussi. Fait que c'est vraiment à bien évaluer. Fait que là, on essaie de faire monter le plus possible nos personnages pour générer des revenus. Donc, Iki, c'est un jeu de gestion super bien monté, c'est fluide, c'est quand même assez facile à prendre en main, mais il y a beaucoup de stratégies là, à développer. Ce qui est le fun, c'est que le plateau, il y a un côté pour 2 joueurs, il y a un autre côté pour 3-4 joueurs, fait qu'il reste super bien balancé, peu importe le nombre de joueurs. Donc, c'est un très bon jeu de stratégie qui est Iki. Lis le jeu.